Bien, nous sommes de nouveau sur Eidos 7. Ah, je peux pas afficher la carte là-dessus? Ok. C'est pas grave. Il y a la bibliothèque, donc ça c'est plus loin évidemment. Le quartier marchand inondé, le hall des archives. Ça c'est dans les terres, désolé. Ouais, j'en ai deux à la bibliothèque finalement. Enfin, je crois. T'énerve pas. Ah si, je l'ai apparemment. Alors, nous publions les informations concernant la réserve secrète de la Légion extraite des données cartographiques d'Eidos 7. Trouver et fouiller le bar 99 dans Silent Street. Donc c'est bon. C'était la cache secrète de la Légion. J'ai bien fait de revenir. Bah ouais. Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas pu ouvrir dans le coin. Je sais plus trop en fait. De toute façon, ça a l'air d'être lié à chaque fois à une requête, donc ça va. La bibliothèque. Francis m'a demandé de trouver le livre de la foi. Finalement, c'était bien ici la bibliothèque. C'est ce livre. Un cercle doré gravé sur la couverture. Le livre de la foi. Je ne cessais de le lire et le relire. Voyons voir. Parole de Félix le dévot. Par conséquent, nous répondrons à l'appel de la matriarche sur terre comme aux cieux. C'était un mensonge, nous avons été piégés. Ce ne sont pas les monstres qui nous tuent, c'est la matriarche. Si vous lisez ceci, écoutez attentivement. Je m'appelle Félix, autrefois un fervent adepte, et je déclare ceci. La matriarche est une fausse déesse et une calamité qui cherche à nous détruire. As-tu dessiné sur les pages du livre de la foi? Il est plus facile de garder la foi lorsqu'on ne regarde pas la mort dans les yeux. Des boucles d'oreilles? Elles sont à Lily? Tout ce qui était utile a déjà été récupéré. Le quartier inondé. Ça doit être ici. Que se passe-t-il à l'entrepôt 77? Et pourquoi envoyer une enfant comme messager? Bref, je dois trouver le système de contrôle. Bon, c'est par où? Là, j'ai aucune indication. Ah si, avec ça, je peux. Cool.
passer là? Ce programme a provoqué la défaillance du système de drainage. Du coup, ça me fait une toute nouvelle zone là. Alors, il y a quoi ici? Il y a ça. C'est tout? Non, il y a l'autre côté aussi. Évidemment. Une statue, mais faut une cellule. Je sais pas comment on les chope ces cellules. Si elles se trouvent uniquement ou si on pourra les acheter, j'en sais trop rien. En tout cas, ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Hein. Bon. Bonne soirée, Nana. Ah, 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 attends. Quoi ça? C'est pour retourner de l'autre côté, non? Ouais. Ça m'a enduit d'erreur. Tout ça c'était sous l'eau? Je sais plus. J'arrive plus à savoir ce qui était sous l'eau et ce qui ne l'était pas. Je pense que ça l'était. Ouais, parce que la flotte elle arrivait quasiment au niveau de cette petite descente là.
Ouais, ça fait une sacrée zone en plus, en fait, mine de rien. Et là, ça continue de descendre. Là aussi. Ah, j'ai pas le mot de passe. J'ai fait le tour, je crois. Donc je vais descendre d'un cran. Ouais, l'eau arrivée, pile ici. Ou là, peut-être. Mais pas plus bas, c'est sûr. Ah, mot de passe. Est-ce que c'est pas pour le truc juste au-dessus? Totalement. 3A. Parfait. Salut Alain, comment ça va? J'ai horreur de ça, le jus de carotte. Ça, je l'ai pas fait. T'as craqué, tu l'as pris? Ce Nier 2.0? Bon, ça reste un bon jeu quand même, hein, à première vue. Il y a juste un truc qui me dérange pour le moment, mais on va voir. On descend encore. Taper les statues.
c'est pas la première qui me file des thunes. Hein. Il y avait la statue du lion déjà qui m'a filé plein de sous. Bon, avant de descendre, on va faire ça. Bizarre que ce soit tout vert ça, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Parfait. Parfait. Entrons. Exactement. J'ai un mauvais pressentiment là. Mais c'est... Oh, c'est impossible. Elle est ici. Elle nous traite de traîtres. Nous ne pouvions simplement plus vivre dans cette ville. Fouiller l'entrepôt 77. Fragment de désespoir. Pourquoi sommes-nous considérés comme des traîtres? Elle nous traque. J'ignore combien de temps nous allons survivre ici. Livre de la foi et de la sagesse. 236. La matriarche est sage. Elle nous offrira le salut en cas de désastre imminent. Par conséquent, nous répondrons à l'appel de la matriarche sur terre comme aux cieux. Nous retournerons dans la colonie. L'arrivée de l'ange marquera le début de notre salut. Nous retournerons dans le berceau. Nous serons compensés pour nos souvenirs perdus. Nous recevrons de nouveaux souvenirs. Nul ne doit remettre en question la volonté de la matriarche. Nous avons simplement réussi à nous libérer du berceau. Nous ne sommes pas des traîtres. Je veux que quelqu'un le sache. Coupé, blessé. Il est où le dernier? Il est là, le dernier. La voix du rejet. Nous vivrons dans notre petit sanctuaire et nous préserverons notre foi. Nous rejetons les règles ignobles de la ville. Tout ce que je peux faire à présent, c'est prier notre mère que cette paix soit éternelle. Ils ne se sont pas noyés. Tous ces gens ont été massacrés. Cette montagne, on dirait qu'elle a été réalisée avec une lame polymère au plasma. C'est l'œuvre d'un combattant aguerri, du grand art. Ce serait l'œuvre d'un ange? Non. Nous n'utilisons pas ces armes. On dirait... Ça ressemble au travail d'un soldat d'élite de la Terre. Je ne comprends pas. Ce genre d'arme doit servir à lutter contre nos ennemis. Pas nos alliés. Je pense avoir saisi une chose. Ce quartier a été inondé volontairement pour couvrir un crime. Ah, pas de conclusion hâtive. Nous manquons de données. Que faisons-nous?
Le moins que l'on puisse faire, c'est récupérer les puces mémoire. Enfin, si elles ne sont pas en trop mauvais état. Bah c'est fait ça. Non. Je sais pas si j'ai encore des choses à faire. Mais... pour l'instant ça va, c'est un peu Nier Automata dans les grandes lignes, tu trouves? Pour l'OST ok, forcément. Pour certains moves on va dire, ok. Et avec un level design style FF. Ah oh, je trouve pas du tout. Et un gameplay à la Soul en plus soft. Ça oui. Ah bah voilà, le hall des archives. Impeccable. Le hall des archives. Je ne pensais pas y revenir. Je vais chercher. Voyons voir ici. Civilisation organique, humain organique. Hein ? Accès aux archives interdit. Conformément à la doctrine de la matriarche, le contenu de ces archives n'est pas disponible et leur consultation est strictement interdite. Toute tentative d'accès à ces informations sera considérée comme une attaque à l'encontre de la matriarche. Hein ? C'est quoi ? La doctrine de la matriarche ? J'avais raison. La matriarche garde de nombreux secrets. Oh ! Allons-y. Nous n'avons plus rien à faire ici. Je pense qu'on avait rien d'autre à faire, du coup, on va retourner au commanditaire. Je dis level design FF moderne pour le côté alternance zone-couloir mélangeant énigme parcours boss plutôt scénarisé et zone plus ouverte avec de l'annexe. Du moins, c'est l'impression que j'ai pour l'instant. Je viens de finir le passage du labo, ok. Oh, l'ange! As-tu trouvé les archives des humains organiques? Tout était verrouillé. Je n'avais pas accès au contenu des archives. Quel dommage. Ah! Alors c'est comme ça. C'est fantastique! Vraiment exceptionnel! Écoute-moi bien. Je découvrirai la vérité, même si c'est la dernière chose que je fais. Nul ne peut ignorer l'histoire. Bon, ça c'est fait. Alors, on va rendre tout ce qu'on a à rendre. Tiens, je l'avais pas vu ça. Je crois qu'il y a une calette. Impeccable, hein. Aussi pour l'avenir de Xur. Ouais, c'est ça. Non, c'était en bas. Oh, bien vu, je note. Il y a des passages discrets. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que les parcours sont trop visibles. Tu sais, genre les petites traces de peinture comme ça. Je trouve pas du tout. Hein. Je les trouve extrêmement discrètes. Il y a plein d'éléments dans le décor qui sont bien planqués. Après, je suis à moitié Miro, mais tout de même. De t'offrir un cadeau. Ah oui, il m'a aussi dit de te remercier. Attends, à quoi ressemble cet homme? Où est-il parti? Je sais pas. Il était grand, j'ai pas vu son visage, il avait un masque. Je sais pas du tout où il est allé. Vas-y. C'était qui? Qui nous a menés au cadavre? Voulait-il que nous récupérions les cadavres?
Toutes nos suppositions ne sont que des idées en l'air. Rien de... Je découvrirai la vérité. Oui. Il le faut. Ça, c'est fait. Alors, next. À gauche, puis à droite. Bon, il va quand même me rester tout un tas de trucs dans les terres, désolé aussi. Ce sera peut-être plus simple parce que c'est plus facile d'accès. Oh, tu es revenu. En un seul morceau, on dit. As-tu trouvé le livre qui appartenait à mon frère? Oui, le voilà. Oh, merci. Je ne l'avais pas vu depuis un moment. Voyons voir. Hein? Mais enfin... Je l'ai trouvé dans cet état. Mon frère était si pieux. Comment a-t-il pu? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois tirer cette affaire au clair. Et une dernière chose. Je te serai reconnaissant. Oui. Je ne vois pas à qui je pourrais en parler. Matriarche. Mère. Ok. De l'autre côté. Ok. Quoi d'autre? Bah, c'est tout ici en fait. Donc direction les terres désolées. Ça tombe bien, faut que j'en bute. Rapport de recherche. Je suis à la tour solaire. Je vais forcément trouver l'équipement dont Tenya a besoin dans ses ruines. Je vais devoir fouiller les caisses de ravitaillement, les armures détruites et toutes ces piles de métal. J'ai entendu dire que c'était l'un des champs de bataille de la dernière guerre. L'extinction de la colonie et le passage du temps ont presque tout réduit en poussière. Je ne dois pas oublier que des hordes de sangliers vivent ici. Ces monstres sont capables de dévorer le métal en une fraction de seconde. Si je les laisse faire, il ne restera plus rien. Tiens, le sanglier. Tour solaire, les drones de service remplissent encore leurs fonctions. J'ai vérifié toutes les informations pertinentes, mais je n'ai rien trouvé d'utile. Région nord de la tour solaire. L'extinction de la colonie a ravagé la terre et créé un canyon immense. La zone est difficile d'accès et dangereuse, alors j'ai renoncé à m'y aventurer. Canyon accidenté et quelques résidus de métal. Contrairement à ce que j'espérais, je n'ai pas trouvé grand-chose. Région ouest, recherche à effectuer. Ah, ça vibre, il y a un truc à récupérer. Pas, c'est juste les bestioles à côté qui foutent la grouille. Ah,
Tiens. Est-ce que ce sont des sangliers? Il y en a absolument partout. Cet endroit m'avait vraiment manqué. Il n'a pas pu se cacher bien loin. S'il est venu par ici. Cela. Ces cadavres. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis un moment. Ça signifie... Il faut s'y connaître pour survivre longtemps dans les terres désolées. Mais Su en est capable. Ou bien, il a eu de la chance. Allez, encore deux indices. Ah bah il est là-bas. Apparemment. C'est peut-être pas lui. C'est son arme, non? Je vais l'examiner. Il a dû la faire tomber en combat. Ça ne me semble pas spécialement encourageant. Non. Il n'a pas pu mourir ici. S'il avait abandonné son arme suite à une attaque, son cadavre serait là. Bien vu, la guêpe. Les informations que nous avons recueillies au camp indiquent que Su cherchait quelque chose à proximité de cette zone. Il a mené au moins un combat ici. Probablement plusieurs. Tu penses qu'il a fait une gaffe? Qu'il est tombé dans un piège? Et que ça a mal tourné? J'ai entré les empreintes de pas relevées dans le système d'analyse. Par chance, on dirait que peu de gens se sont aventurés par ici ces derniers temps. Voyons où Su est allé. J'espère qu'il est en vie. Bah non, c'était pas lui. Moi aussi. Décision du légionnaire 311. Je ne peux pas abandonner. Si j'abandonne maintenant, les sacrifices de mes camarades, ils n'auront plus aucun sens. Si je parviens juste à atteindre la tour solaire. Alors, il est où, Su? Il est peut-être en haut, non? Là-bas. Attends, il est tout en bas là? Zut. Cette zone. Ça te paraît être un bon endroit pour se cacher? Bon, allez, j'y vais. Sois prudente, on ne sait pas ce qui t'attend. Salut Yann. Il est pas là, Omi, je crois. Il avait du monde ce soir. Oh non! Laisse-moi! Mon ennemi rare. Alors, il est où? Par là? Non, il est là. Il faut quand même passer par ici, non? Ouais. Qui va là? Ouais, c'est bien lui. Su, c'est moi. Comment ça va? L'ange, comment... Bon... Je présume que tu as déjà tout compris, si tu as réussi à me retrouver ici. J'ai baissé ma garde. J'ai de la chance d'être en vie. Mais avec cette blessure au bras droit, impossible de continuer. Je pouvais seulement fuir et me cacher. J'ai failli y passer. Mais j'ai trouvé les pièces pour les jambes d'Enya. Hélas, ça n'a servi à rien. Je n'ai pas pu les rapporter. Comment as-tu pu te mettre dans une situation si dangereuse? Et sans prévenir Enya? Eh bien...
je n'étais pas en mesure d'aider Enya. Si tu n'étais pas intervenu, je serais... Arrête de parler. Allons-y. Maintenant. Enya a besoin de toi. Faut que je le porte. J'ai encore quelques sangliers à faire, je crois. C'est ça? Ouais, c'est un vieux bâtiment construit par des drones. Mais je l'aime bien. Je pense que l'endroit devrait être vide. Allons-y. L'endroit n'est pas du tout vide. Hein. J'y suis déjà venu. Journal d'Arin. Papa est devenu bizarre depuis qu'il a obtenu cet objet. Il se bat avec d'autres recycleurs simplement pour récupérer d'autres objets qui ressemblent à ce machin. Toutes les sentinelles le détestent, je ne le supporte plus. Je pense que ce truc est maudit. J'ai envie de le prendre et de le briser en mille morceaux, mais papa lui accorde tellement d'importance que je n'y arrive pas. Pour la première fois de ma vie, j'aimerais être plus insensible. Je vais prendre ce machin et le cacher dans la grande décharge, où personne ne le trouvera. Papa finira bien par l'oublier. Je veux seulement mettre un terme à son obsession et vivre comme avant. Bonjour. Que puis-je ? Quelqu'un est venu ici plus tôt, non ? Avec une statue. Sais-tu où elle se trouve ? Petite fille, là-bas. Partie enterrée, statue 2. Il y a une décharge. Une décharge ? Ça marche. Cette fille ne cause que des problèmes. Au moins, je sais à peu près où elle se trouve. Qu'est-ce qu'elle file dans un endroit pareil ? Trouvons-la, et vite. Bah, elle veut retrouver son papa. C'est ici ? Non. Pas ça. Bah, je vois même pas sur la carte. De toute façon, la grande décharge, j'y suis déjà. Allez. À l'aide, quelqu'un ! Des monstres veulent me tuer ! Tiens bon. J'arrive. J'arrive même pas à savoir d'où la voix elle vient. Comment tu veux repérer une voix s'il n'y a aucune indication sur le son ? Ouais, avec le scanner, c'est pas bête. Je crois qu'elle est beaucoup plus loin que je ne pense. C'est juste que j'ai dû approcher un petit peu de la décharge, qui doit être tout en bas, mais par le haut, et du coup ça trigger le truc. De la villa? Non, c'est le robot. Ah, je crois. Ah, t'as raison, juste là-bas. Un humain. Merci. Comment je vais y aller? Pas par là en tout cas. Voilà, je vais faire le tour. T'as cherché un moment, ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est pas évident, on a l'impression que ça vient de devant, pas de derrière. C'était là, non? Je suis pas sûr. T'as plus de balles!
C'est là. Ah là, tu m'étonnes. L'ange, qu'est-ce que tu fais là? Je peux te retourner la question. T'es venu jusqu'ici pour cacher la statue de Bouddha? Comment tu sais ça? C'est une longue histoire. Mais tu devrais pas t'en débarrasser. Pourquoi ne pas en discuter avec lui? Si tu le dis, je vais le faire. Merci, tu m'as évité de faire un grand tour, je pense. Alors, il me reste la zone interdite. En fait, je sais pourquoi je me suis fait avoir. Des fois, t'es en train d'avancer tout droit et t'as un petit élément du décor par terre qui te pousse sur la gauche ou sur la droite. Ça m'a fait la même chose là. Et tu vas t'énerver encore plus. Non, ça va pour ça. Je sais assez bien me contrôler. Faut juste prendre son temps en fait. C'est pour le mieux. Mais par moments je trouve le perso souple comme une planche à repasser. C'est par où que je me loupe pas là? C'est là-bas. Et ce dash, parlons-en. Il te fait à peine avancer. Quelque chose ici. Regarde. C'est un gros sanglier quoi. Je l'ai fait trop tôt. J'ai perdu la target.
Mauvais sens. Les cadeaux. Hey, capte plus de signaux ennemis. Rentrons. Après lui avoir rendu hommage, bien sûr. Merci. Tenue de sport jaune. Qu'est-ce qui me reste dans cette zone? Parce que peut-être je vais utiliser le téléporteur du coup. Ça, c'est Tommy. Ah merde, il me reste un sanglier. C'est vraiment dommage. Parce que là, du coup, ça va me faire... Enfin, je vais devoir remonter, quoi. Testament de Tommy. J'aimerais demander un service à tous ceux qui accèdent à ces données. Je m'appelle Tommy. C'est moi qui dirige la société C&T. Action. Je vais céder tous les droits que je possède sur cette société à mon partenaire, Cyrus. Veuillez lui dire que je lui souhaite toute la réussite du monde. Je possède un coffre dans l'établissement C&T du marché de pièces détachées. Le mot de passe est 6x0. Bah tiens, c'est l'arc. Je crois que c'était toi qui disais ça. J'offre le contenu de ce coffre à quiconque transmettra mes dernières volontés. Que mes souvenirs perdurent. Salut Az, comment ça va? Aïn, à quoi diable pensais-tu? Ne me dis pas que... Attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je pense que tu devrais d'abord écouter ce qu'elle a à dire. Aïn? Papa, cet objet est clairement maudit. Tu le fixes toute la journée, en marmonnant, et tu te bats. Ce truc ne nous protège pas. Il nous sépare. On était heureux avant. Oh, mon enfant. Alors, j'ai essayé de le cacher pour toujours. Mais j'ai fini par... Tu as raison, mon cœur. J'aurais dû comprendre que tu ne m'aurais pas pris quelque chose sans une bonne raison. J'ai honte de moi. Je suis vraiment désolé, Aïn. Papa. L'ange, tu veux bien prendre ça? Garde-le ou jette-le, peu importe. D'accord. Je le prends. Merci. Merci, l'ange. Aucun souci. Je veux seulement que ton père et toi soyez heureux. Ok. Ouais, moi, ça va super, merci. Ça donne quoi, ce jeu? Bah écoute... c'est pas mal du tout. Juste, il y a un petit peu trop de requêtes... Commence à en avoir marre des requêtes dans les jeux. Je sais pas, ils arrivent plus à faire des scénarios sans coller 4000 quêtes annexes quoi. J'en ai à souper de ce genre de jeu en fait. Mais bon. On fait. Là, j'en ai terminé normalement avec les requêtes. On va pouvoir aller sur la suite. L'ange, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Tommy? Je suis désolée. Tommy. Je crois que c'est pour toi.
C'est... imbécile. Quel intérêt de posséder tous ces actifs? Si c'est pour mourir en chemin, les affaires sont florissantes. Ça sert à rien si t'es mort. Tommy... imbécile. Hé, hey, ça va? Oui. Oui, ça va aller. Je vais retourner au magasin. Je peux pas ignorer ce que mon ami a laissé. J'aurais jamais cru te dire ça, mais... je te remercie. Ça rallonge la durée de vie, c'est plus vendeur. Honnêtement, je préfère jouer 10 heures de scénario bien intense que 30 heures avec des quêtes annexes comme ça qui n'ont que très peu d'intérêt. Mais bon. Eve, qu'est-il arrivé à Sue? J'espère que ça va, hein? Oui, ne t'inquiète pas. Il était parti chercher une pièce d'équipement rare qui devait te permettre de marcher à nouveau. Quoi? Hélas, les choses ont mal tourné et il s'est retrouvé piégé dans les terres désolées. Sue, tu n'entres pas? Tu ne veux pas lui raconter la fin? Enya, je... eh bien... je... Sue... je suis... désolé. Tu... tu pensais que je voulais marcher? Eh bien... bien évidemment. Mais... eh bien... marcher ne peut avoir de sens si tu n'es plus à mes côtés. Je suis désolé. Je me sentais inutile à faire le pied de grue. Je voulais aider. Je voulais te voir marcher à nouveau. C'est tout. Vraiment. Je suis désolé. Ne refais jamais ça. Je veux dire, plus jamais. Ça, c'est fait. Trésor, mon trésor. Tu veux prendre mon trésor? Pars, je ne te le donnerai pas. Je dois le protéger. Quel est ce trésor dont tu me parles? Je ne te le prendrai pas. Trésor, mon trésor, notre trésor. Ce sont... tu gardes précieusement ces puces mémoire comme si c'était des trésors. Mon trésor. J'ai abandonné mon trésor. J'aurais dû le protéger. Trésor. C'est à... d'où viens-tu? Il y a d'autres puces mémoire? Tu vas m'aider? Le trésor, map le grand désert. Les ruines balayées par la tempête. J'ai perdu mon trésor. Bien, ok. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Elle est tarée, là. Dans le grand désert, bon. C'est pas pour tout de suite, apparemment. Je crois qu'on enchaîne avec l'histoire, hein. Let's go! Toujours pas débloqué ça. Oh, tu es là. Je suis impatiente. Tu es prête à partir? Les préparatifs sont terminés. Enfin, on dirait qu'il est temps de tester le détecteur de signal alpha.
Oui. Et s'il fonctionne comme prévu, tout devrait être plus simple. D'accord. Laisse-moi te guider à la matrice 11.